Je crois que c'est très important, à un moment où on voit la crise économique que l'on connaît, de constater que la reconnaissance économique du vivant qui nous entoure s'inscrit dans la réflexion de la société. Et je pense que le procès de l'ERICA sera un tremplin pour permettre cette reconnaissance du vivant non commercial. Je trouve que Total s'est conduit de façon méprisable parce qu'ils étaient prêts à indemniser, mais ils ne reconnaissent pas le préjudice écologique. Le jugement de première instance était une novation juridique, reconnaissance du préjudice moral, matériel et écologique. La Cour d'appel, si elle confirme ce jugement, envoie un signal préventif très fort à tous les acteurs de transport maritime pour leur dire désormais, vous êtes responsables et il n'y aura plus d'impunité.